Link's rashness nearly cost him his life as shadowy doubles overwhelmed him. At the last moment, Link's allies salvaged a rescue from otherwise certain defeat. The Master Sword is a mighty weapon, but its true power can be used only by someone who understands the bonds of friendship. The Hyrulean army was rallying its strength, but Sia's forces still controlled much of their homeland. The only way to save Hyrule was to defeat Sia. The Hyrulean army headed to the Valley of Seers to force a decisive battle. But Sia did not sit idle, despite her overwhelming advantage. She found new ways to fortify her troops using her own life force. The cost to herself was irrelevant so long as she crushed her enemies. The final battle between the armies of light and darkness was about to unfold. Hey, yo tout le monde, c'est Sean Kazma et bienvenue ce soir, chers amis dans la gorge de l'Anel, pour cet épisode 13 sur notre aventure de Hyrule Warriors. J'espère que vous allez bien, toujours en compagnie du héros de la Triforce, et nous affrontons toujours Sia. Alors, Ganon apparemment n'est pas de la partie, hein, il l'était déjà pas pour l'épisode 12, sauf qu'il a débarqué aux 3 quarts de la fin. Et je pense qu'il va nous faire un petit peu près le même numéro aujourd'hui. Bref, j'ai pas eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Sia a attribué de nouvelles magies, de nouvelles forces, de nouvelles puissances à ses troupes. Et du coup, ils sont plus puissants, bien que les Arabinos n'aient pas réellement changé niveau force. Si, il est peut-être plus résistant. Et il a un gant en métal, ainsi qu'une veste punk. Il a le swag, mais à part avoir le swag, il n'y a pas grand-chose qui a beaucoup évolué chez lui. Par contre, et ça c'est super lourd, c'est que toute la map est rouge. Donc du coup ça veut dire que j'ai presque aucune position si ce n'est aucune. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je commence par prendre un fort ou deux. Alors je pense qu'on va commencer par prendre celui-ci, on ira prendre celui qui est en face et puis on verra bien par la suite ce qu'il faut qu'on fasse. J'ai vu aussi qu'il y avait un temple de déesse au plein milieu de la map, ce qui veut dire qu'il va sûrement y avoir un événement. Nyaha, justement, que se passe-t-il? Vous voyez cette énergie magique, montez vers le ciel, ce sont les sanctuaires de la déesse. Sanctuaire. Ou alors quelqu'un a juste oublié d'éteindre la lumière. Oui, ça reste un point de vue. Alors par contre, parce que je déteste ces ennemis-là, je déteste les fantômes. Pas qu'ils font des dégâts ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils sont super lourds à frapper. Voilà, fais ton rayon de la mort. Et là, nyahin, je te brûle par derrière. Comme un chien. Pas que les chiens te prennent par derrière ou quoi que ce soit, c'est juste une image. Hein. Faut pas valoriser, s'il vous plaît. Ok. Et de 1, ce fort est à moi, je vais juste m'occuper des 2-3 squelettes qui restent, et puis c'est à peu près bon. Du coup, je récupère ça et on progresse, cette fois-ci direction le fort de l'Est, et après on essaiera de récupérer tous ces autres forts. Alors attends Gugus, parce que toi tu m'intéresses pas, je regarde surtout sur la carte en fait. D'après la carte, j'ai mes forces qui sont en train d'essayer de prendre des positions et c'est chaud. Au secours, envoie quelqu'un et j'arrive. C'est le héros qui débarque en espérant qu'il arrive à faire quelque chose parce qu'il n'est pas spécialement réveillé aujourd'hui. Non, franchement, aujourd'hui, j'ai pas plus que ça la patate, hein. Bien qu'on dirait que ce soit l'inverse, mais c'est pas du tout le cas. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai Impa et Zelda avec moi, bien que Zelda soit la princesse, c'est aussi un combattant dans ce jeu. Et ça, c'est vachement chouette. Je me demande d'ailleurs quand est-ce que je vais pouvoir l'incarner. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on m'avait demandé d'essayer d'incarner tous les personnages qu'on ne pouvait pas incarner normalement. J'aimerais bien, franchement j'aimerais bien, mais j'aimerais bien aussi savoir quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Alors sûrement après la fin du jeu, ce qui pourrait être logique d'une certaine manière puisqu'ils font pas réellement partie de l'histoire. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que je sais pas encore comment je vais faire pour construire ça. Ou alors peut-être que je ferai une vidéo sur chaque personnage. Je sais pas du tout. Bref, sale les Arabinos, tu meurs. Voilà. Ensuite, ah c'est un Dinolphos. Les Albinos Punk, je préfère. C'est plus simple. Ok, le fort est à moi, ça c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais aller en haut à gauche, à l'autre endroit qui clignote, et je vais aller aider mes poteaux. Alors je pense que toutes les zones comme ça qui sont entourées de vert, c'est globalement où c'est qu'il y a mes potes. Donc à tous les coups, il doit y avoir soit Midona, le roi des Gorons, donc Darunia, ou alors, qui c'est qui reste? Lana. Ah non, Lana elle est là. Bah je vois pas trop qui c'est qui reste en fait à part eux deux. Ah si, il y a Faye. Faye, monsieur, chef, venez nous sauver.
Bonjour. Ah, justement, Faye. C'est de toi que je parlais. Par contre, t'es toute seule, t'as pas plus l'avantage que ça, et en plus, tu dors à moitié. C'est génial, hein. Là, les troupes, franchement, les mecs, vous êtes super bien réveillés aujourd'hui. Hein. Non, sérieux, vous pouvez m'aider à taper les ennemis, parce que pas que vous fassiez presque rien, mais... En plus, c'est genre, vous êtes plus des trois quarts de ce que eux, ils sont. Et même pas, vous leur mettez un coup. Ça, c'est un truc de fou. Du coup, moi, je galère à les trouver, et en plus, vous servez à rien. Ok. Plus qu'à vaincre le boss, qui va se vaincre en 2-3 mouvements. Voilà, comme d'hab. Le boss est toujours le mec le plus naze de tout le fort, en fait. Ok, mission complete. Ce qui veut dire que j'ai ouvert les voies en direction de la déesse. Alors, j'ai des troupes en difficulté. Nous avons pris le sanctuaire est et ouest, mais la puissance des TM n'a pas disparu, c'est étrange. D'accord, donc apparemment, c'est toujours la Hesse. Donc ce que je vais faire le temps qu'il trouve un plan, c'est commencer à libérer cette zone-là qui est encore assez rouge. Et après, je pense que j'irai plus vers le sud. Trouvez le dernier des sanctuaires et prenez-en le contrôle. D'accord. Je n'aime pas la tournure que prend les choses. Je t'avoue que moi pas en fait, hein. Pas que ce soit spécialement dur, donc spécialement compliqué à faire. Par contre, toi, je te jure, le Dynavolt, je sais pas quoi là, le Digimon, t'es lourd. Voilà. Ok, les autres. Je vais le chercher, je crois que je me souviens d'où trouver le sanctuaire. Ah non, d'où se trouve le sanctuaire, d'accord. Donc attends-moi Lana, 2 secondes, je fais un petit vide dans le coin et j'arrive. Hey, que quelqu'un vienne m'aider. Ah, on dirait que, d'accord, elle a trouvé l'endroit. Donc du coup, je vais y aller juste après, je veux juste lui, viens là. Je ne peux pas perdre maintenant. Bah d'ailleurs, moi non plus, parce que j'ai plus trop de vie là. Ce qu'il me faudrait, c'est une jarre ou un gros cœur de vie, ça ferait plaisir. Bonjour, auriez-vous des... Ah, des cœurs de vie, merci. J'ai conféré à cette troupe un pouvoir magique spécial, gnir. Et ce pouvoir magique, c'est quoi exactement, à part peut-être le fait qu'ils soient tous pimpés rouges, et que les albinos t'es le méga soi dans mode punk. Une puissante troupe se dirige vers la princesse. Oh oh, je n'abandonnerai pas. Eh, mais ça oui, ils font super mal. Je vous jure, c'est pas cool du tout. Gnir. Voilà. Ok, les albinos punky, c'est fait. Ensuite, oulala, attendez là, c'est un petit peu compliqué ce qui se passe à l'écran et ce caillou il commence à m'énerver. Je sais pas pourquoi je sens que la spécula va être juste ici. Je suis exténué, mais oui, mais 2 secondes, j'ai pas le temps, il faut que j'attaque partout. Par contre, j'espère que si je perds un copain, c'est pas la fin de la partie parce que sinon ça risque pas de durer longtemps. Impa! Sauvé, ok, ouf. C'était serré, hein, c'était très serré même. Olé! Voilà. Non, toi t'arrêtes de nous embêter, c'est pas possible ça! Oh, le truc de psychopathe, t'es où? Où c'est que t'es? T'es là. Viens te... Oui, non, viens pas te battre en fait. Voilà, reste de ton côté, moi je reste du mien. Voilà, fais une attaque spéciale. Ok, ça fait plaisir. Si tu pouvais par contre juste faire quelque chose qui me permette de t'en enfoncer un bien profond où je pense. Non, pas comme ça. Ils ont pris le sanctuaire de l'Ouest, il faut le reprendre. Ah bah oui, mais attendez, c'est pas comme si je galérais, quoi. Allez! Yes! Ok, un peu une qui en moins. Bon, ils ont pas de cœur de vie dans le coin par hasard, non? Ce serait trop beau. Ce serait trop beau. Ah, sticker. Voilà, au moins ne serait-ce que pour éviter que ça clignote. Alors par contre, je vais juste vider un peu la zone. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de squelettes dans le coin. Et je retourne une fois de plus en direction du fort de l'Ouest. C'est juste génial. J'ai doté la prochaine troupe du plus puissant des pouvoirs magiques d'armée d'Hyrule. Non, l'armée d'Hyrule est finie. Aïe. Ah, génial, là maintenant je me sens super rassuré. Ok, on va avoir un problème. J'ai moins d'un quart d'un cœur. Là, tout va extrêmement bien. Ça, je prends. Ok, cœur et CF au max, ça c'est bon. Ensuite je vais me faire le fantôme. Par contre j'ai l'impression qu'ils arrêtent pas de repop en fait. Et ça c'est pas cool du tout. Parce que si c'est le cas, ça risque pas d'être facile pour la suite. A mon avis, il doit y avoir des invocateurs dans le coin. Il faut vite que je les batte. Bon, fais quelque chose le fantôme s'il te plaît. Genre un méga rayon. Non, un méga, ah. C'est un mé, non c'est pas un méga rayon. Par contre c'est une vague de rayons. Dommage, j'ai pas eu le temps. Olé, je t'ai eu. Ok, on notera que j'ai touché personne. Zelda fuit ! Ah bah oui, mais c'est super hardcore ! Oh mais non ! Eh, c'est corsé quand même, hein. C'est super dur.
Ok, là par contre, ce qui serait pas mal en fait, c'est de garder juste la position. Ne serait-ce que 3 minutes si possible. Non, mon copain, attends-moi. Non, j'ai dit survie, voilà. Oh bon Dieu, c'est corsé, la vache. Je crois qu'on va avoir droit encore à un game over avant la fin de cet épisode. Je sens qu'on est mal barré dans celui-là, hein. Je sais pas si c'est le dernier ou pas, mais il est quand même super corsé et les ennemis sont chauds. Et en plus, ils m'ignorent. Que quelqu'un vienne m'aider, j'arrive, 2 secondes. Juste le temps de gérer la situation ici parce que c'est super corsé. Voilà, hein, les albinos sans moi. Et je vais en direction de Zelda, l'aider. Parce que je crois que Zelda c'est la priorité en fait. J'espère juste que si Impa meurt, c'est pas la fin. Je vais essayer de sauver les deux, je garantis rien du tout. Mais alors carrément rien du tout. En plus j'ai eu droit à la meilleure sauvegarde ever, hein, c'est-à-dire que je suis revenu juste en face de l'un de ces punkies qui était prêt à me frapper. Et c'était pas cool du tout. Ok. Toi tu vas mourir sale punky. Je crois que t'es devenu l'ennemi que je déteste le plus en fait après le fantôme. Voilà, petite flamme qui sert pas à grand chose. Ok, napper d'un petit saut. Et tu meurs. Ok. En fait, le tout, c'est de venir les sauver au tout début. Parce que sinon, après, ils ramènent des tas de force et ils commencent à reprendre tout le contrôle du fort. Et après, bah, c'est super compliqué. Le lézard albino, ça fait fuir Midona. Oui. Je suis exténué. Ah oui, d'accord, mais ça continue. C'est pas cool du tout ce qui se passe là. Hein. Je suis en train de galérer à un point que ça en est catastrophique. J'espère juste que je vais avoir le temps. Zelda est en grand danger. Oh là là, oh là là. Attendez. Laissez-moi juste respirer 2 minutes. C'est très chaud là, c'est très chaud. Je vais arriver à Impa, elle a encore pas de vie. Mais non, ça a fait fuir Impa. Attendez, j'ai pas le temps de respirer. Ouille. Mais, purée. Zelda. Non. Ok. Oh la vache, oh la vache. Je suis en train de perdre tout le monde un par un. Et qu'est-ce que font Darunia et Faye? Pourquoi ils sont jamais là quand on a besoin d'eux? Ils ont repris le sanctuaire de l'Est, reprenons-le. Oui, 2 secondes. Une chose à la fois, hein. Laisse-moi au moins le temps de me débarrasser de ce punky qui n'est pas cool du tout. Voilà, bim, 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 bim. Et j'ai pas du tout le temps de lui enchaîner un bon combo. Voilà, ah, là il va sauter. Et bim, bim. Ok, on respire, 2 secondes. Vous, vous mourrez. Voilà, histoire de vider un petit peu la zone. Et de ce côté là, ce serait bien si je pouvais envoyer une petite vague. Là. Ok, bonne nouvelle, apparemment Lana a trouvé quelque chose. Du coup, ce que je fais, c'est je me dépêche de récupérer de nouveau ce fort. Et ensuite, je vais aller aider Lana pour le troisième passage. Ok, enfin, je sais pas ce que c'est, la lumière. La lumière qui laisse allumer la déesse. Formidable, Link. Donc, maintenant, c'est Lana. Lana qui est tout en bas, si je me trompe pas. D'ailleurs, je vais rester dans le coin au moins le temps que Zelda soit sécurisée. Puis après, je retournerai en haut et défaille. Par contre, j'espère juste que je vais pas me retrouver tout seul avec Zelda, parce que sinon, ça risque pas d'être cool vers la fin. Hmm. Surtout si je dois affronter Sia, la big boss des big boss, si on compte pas Ganon. Par contre, c'est marrant, hein, parce que autant le fort a l'air d'être complètement submergé d'ennemi, autant sur la route, il y avait juste personne. Bonjour, je viens prendre le contrôle du fort. J'espère que ça vous dérange pas. Et je crois qu'il m'ignore complètement, en fait, hein, c'est ça le délire. Non, wow. Ok, bon par contre ce qui est pas mal c'est que lui il brille pas du tout. C'est presque rassurant en fait. Ça veut dire qu'il est moins fort que les autres. C'est peut-être pour ça qu'il est tout au fond de ma map d'ailleurs. Sûrement parce qu'il est moins fort. Ou alors ça veut juste rien dire. Fais une attaque. Voilà, même si c'est pas celle-là que j'aurais préféré. Fais des boules de feu, des boules de feu. Un rayon de feu comme tu fais là, un arc de cercle. Non. T'es bête ou quoi? Allez. Oui, non, c'est pas ça. On y était presque, ah voilà quelque chose que j'aime. Sauf que j'ai attaqué trop tard. Le dinar albino, ça fait fuir le capitaine d'Hyrule. Génial. Que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles. Bim. Voilà. C'est soit tu m'attaques, soit je tue tout le monde. Hein, tu choisis. Voilà, le boss du fort tant que j'y suis. Ok. Et lui, ouf. Esquive. Tu meurs. Allez. Ah, il veut pas, hein. Tu meurs. Ok. Bon, du coup, j'ai récupéré tous les sanctuaires de la déesse. Le moral de l'armée de la sorcière baisse. Ah, et ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que j'ai justement besoin de remonter le mien, là. Ça va plus. Maintenant que nous avons révélé le sceau du sanctuaire, les ennemis ont peur. Ils ont réussi à récupérer tout le sanctuaire. Ils sont plus forts que je l'aurais pensé. Nyahin. C'est même pire que ce que tu crois. Très bien.
Je vais alors vous donner une bonne leçon. J'aime pas trop quand elle lève les mains comme ça. Sia, tu as finalement... Idiote! Ok, et vu ses yeux, à mon avis, c'est pas cool. Bon, j'ai l'impression qu'on a passé un cap qu'on n'aurait pas dû. Ce qui n'est pas du tout pour me ravir, hein, tout, bien évidemment. Sia est vraiment ce que tu désirais... Quoi? Pour obtenir un immense pouvoir, elle a laissé les ténèbres s'emparer de son cœur. D'accord. Donc en gros, on a un sushi à se faire. On a un sushi à faire, un bon sushi d'ailleurs. Le chef du poste c'est fait. Ensuite je vais me débarrasser du fantôme. Et après il faudra que j'aille en sanctuaire de la déesse. Pour sûrement me débarrasser des portails. Parce que de ce que j'ai compris, elle en a dissimulé un petit peu partout sur cette map. Et donc ça fait quoi? J'en ai juste aucune idée, mais apparemment c'est pas bon. Voilà. Vous mourrez. Ok, cette fois-ci direction Zelda. Et des Zelda avancés. Nos problémo, allez. Je viens aussi. Ah, le retour de Daruru. Ça fait plaisir. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est que les autres restent avec nous. Je parle de Midona et de Impa qui nous ont quittés. Ça, c'est vraiment dommage. Si j'aurais assuré un petit peu le coup, j'aurais pu les garder. Mais là, c'est trop chaud. Ça, c'est fait. Le Punky, il est mort. Vous mourrez. Au moins un petit peu. Voilà, maintenant avec Zelda, on progresse. S'il te plaît. Mais non, fais pas gaffe à eux, c'est des andouilles. Voilà. Mais non, progresse. Eh, t'es blonde ou comment ça se passe? Tu es incroyablement fort, Link, il n'y a aucun doute. Tu es le vrai héros. Je sais, sauf que ça fait juste 4 épisodes que vous me le répétez. Et du coup, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Et par là. Ok, un petit vide par ici, par là, ça fait toujours pas de mal. Boum! Oulé, ça c'est bon. Un petit coup par là. Voilà. Ah! Petit coup dans le fantôme. Ah non, pas le temps. Dommage. Remets-moi un petit coup. DBZ! Ah non, pas du tout. Et boum! Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, il y a la sculpture là qui est apparue. Du coup, je vais prendre une pause 2 secondes et je vais aller la chercher. Sculptula qui doit être derrière un rocher, comme d'habitude, c'est juste qu'il faut savoir lequel. Alors, la zone n'est pas super grande, hein, à mon avis, je devrais la trouver assez facilement. Ou pas. C'est toujours quand tu dis que ça va être facile que ça va être super ardu, en fait. De ce côté... Je me demande... ça doit être ce rocher. J'en suis même sûr, en fait. Le seul problème, c'est qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Et entre-temps, Zelda, elle a le temps de se faire bouillaf 5-6 fois... Et la sculpture là, elle a le temps de disparaître. Une âme de glace a fait tomber le sanctuaire. Une âme de glace. Genre, qu'est-ce que t'appelles âme de glace? Ok, ça déjà c'est fait. Voilà. Attends, c'est quoi qu'ils appellent une âme de glace? Selon les instructions données par la grande fée, j'établis notre base ici. D'accord. Et attirer autant d'ennemis que possible devant la fontaine. Ok, donc en gros, il faut que je serve d'appât. En utilisant la magie du cercle de cette fontaine, nous pourrons vaincre tous les ennemis d'un coup. Ah, d'accord. Ok. Et tiens, ce rocher, il est revenu. Comment se fait-ce? Ah, sûrement parce que j'ai perdu. Oui, peut-être. Ne laissez pas Zelda fuir, ni la fontaine de la déesse tomber. D'accord, donc du coup, c'est devenu ma base mère. Et, pour attirer l'ennemi, je sais pas du tout comment il faut que je fasse. Je m'occupe d'attirer les ennemis de l'est. D'accord. Donc moi, je vais de l'autre côté. Pour ce faire, c'est je fais quoi? Je me montre et genre, il faut qu'il me suive? En me tapotant les fesses? Attirer les ennemis de l'ouest. Nos problémos, je m'en occupe. En plus, on commence à y voir un petit peu sur la map, là. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est que je m'occupe du sud, qui peut toujours me mettre des coups en traite, surtout qu'il y a une base juste à côté de la fontaine. Et ça, c'est pas cool du tout. Voilà. Saleté de fantôme pékinois. Les ennemis m'attaquent. Je ne pourrai plus bouger d'ici. Ah non, il ne peut plus bouger d'ici, d'accord. Donc c'est déjà un gros problème. Coucou Dinalphos, escorté d'Aruru. Ah génial, c'est maintenant, faut même que je m'occupe des handicapés, on n'a pas fini. J'arrive, Daru, j'arrive. Le Punky a remarqué Link et avance. Ah, cool.
Ça, c'est pas mal. Attirer le Dinalfos devant la fontaine. Bah ouais, mais Daruru, là, il a des problèmes. Donc d'abord, j'attire Daruru. Et problème que je viens juste de penser. Si j'attire un lézard albinos, enfin un Punky, que je l'emmène devant la fontaine, et qu'il faut que j'aille chercher les deux autres. Entre temps, le Punky, il a pas le temps de... Bah de, je sais pas, de vaincre toute la fontaine. Enfin, de vaincre la base. Parce que c'est possible, non? Vous mourrez! Non! Il a plus de vie! Voilà. C'est fait. Ensuite, l'âme de glace. D'accord, donc les âmes de glace, c'est les fantômes. Bon, au moins comme ça, je le sais. Merci, je te dois une fière sorte. Voilà. L'âme de glace a remarqué Link et avance. Très bien. Donc il ne reste plus que deux âmes de glace. Et l'une d'elles est un Dinolphos. Kekeka, Volga, je vais partager avec toi ce pouvoir magique et ultime qui te laissera pulvériser tes adversaires. Ok, je suis pas réellement content de le retrouver lui, hein. C'est peut-être l'ennemi le plus puissant que je n'ai jamais affronté du jeu, et sûrement celui qui m'a fait le plus galérer durant la phase avec le niveau de Skyward Sword. Je suis pas du tout content de le retrouver. J'espère juste qu'il va pas se transformer en dragon, parce que là on aura vraiment, vraiment, vraiment des problèmes. Il est où? Il est tout là-haut. Alors c'est sûrement le seul ennemi qui reste. Oui, on va le savoir tout de suite dès qu'il va descendre. Volga. Génial, Volga entre dans la zone affectée par le cercle magique. Très bien. Et donc du coup là il se passe quoi? Vous avez attiré l'armée de la sorcière devant la fontaine de Death. Génial. Allez, allez, fais quelque chose. Maintenant, activez le cercle magique. Ah. Ce qui veut dire que... Que je crois que c'est moi qui dois activer le cercle. Voilà. C'est bien ce que je me disais en fait. Vite, 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 avant que Volga fasse des siennes. Allez, dépêche-toi. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas de poule dans celui-là. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. D'accord, donc du coup, on a exterminé tout le monde. Sauf un point. Et voilà, j'imagine que ce point, c'est Volga. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est qu'il lui reste plus que un quart de vie. Et ça, j'adore. Parce que voilà un ennemi que je déteste. Et sa vie ne descend pas du tout. Yeah, pas mal, mais vous allez me le payer. Oh, ma vie part trop vite. Tu vas voir. C'est qui? Le héros de la légende. Moi aussi, je peux faire des sales coups. C'est moi ou sa vie elle a remonté? Ah non, mais non. Ah, par contre sa vie elle descend quand même vachement bien. Et la mienne aussi. Non. Ça c'est genre le caca nerveux que tu fais quand t'as pas réussi à faire ce que tu voulais. On va avoir un problème. Alors, je sais où récupérer toute ma vie. Par contre j'arrive pas à courir. Ça c'est pas cool. Wow. Et non. En fait je voulais le vase qui était juste derrière l'arbre, qui m'aurait permis de récupérer toute ma vie. Voilà, mais j'ai raté. Aïe! D'accord, voilà. Justement pourquoi je déteste les checkpoints de ce jeu, parce qu'ils te font toujours revenir dans des situations pires que tu l'étais avant. Voilà. Du coup, parce que y a Volga en plein milieu, sauf que tout le monde s'en fout. Et y a que moi qui arrive à le taper. Serais-tu vraiment satisfait de remporter avec toi en ayant cours à de telles choses? Ne m'insultez pas! Allez, arrivez à le raisonner, s'il vous plaît. Je déteste quand il active tous ses pouvoirs. C'est pas cool. Attendez. Waouh! Mais ma vie, elle est partie d'un coup. Ouvre les yeux. N'étais-tu pas autrefois un guerrier plein d'honneur? Oh oh. Grrr. Je ne me laisserai pas dominer par les ténèbres. Ah. Volga renonce au pouvoir des ténèbres. Oh oui. Yes. Oh yes. Je n'abandonnerai pas. Attendez. Là, il se passe quelque chose de super. La Volga, il a renoncé à tous ses pouvoirs machiavéliques et ténébreux. Et du coup, l'issue de ce combat approche. Je n'ai plus qu'à vous affronter comme un véritable guerrier. Ah, voilà quelque chose que je préfère quand même, hein, parce que je déteste quand tu as des pouvoirs ténébreux. Je vais te le dire clairement, Volga, tu es l'ennemi qui est le plus fort que je n'ai jamais affronté. Hein, comme ça, on est d'accord là-dessus.
Par contre, tu n'as plus beaucoup de vie, moi non plus. Est-ce qu'on va faire un double kill? C'est une très bonne question. Où tu vas? Je suis là, hein. Voilà, fais ton pouvoir de dragon. Non. J'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il va... qu'il va laisser une faille. Non, pas quand il fait ça. Je déteste quand il crache des boules de feu. Non. Ouf. Yes, maintenant. Ouf. Dur. Oh, trop dur. Là, je lui ai mis un bon coup. Yes. Oh la vache, là je suis content. Là je suis content, j'ai vaincu l'ennemi qui me faisait le plus peur. Je sais pas ce que vous s'y est en combat, mais en tout cas Volga, voilà. J'ai été vaincu, mais je ne regrette rien. J'ai retrouvé ma fierté, et c'est bien mieux ainsi. Volga a été vaincu. Arg, mais quel bon à rien. Ah, c'est pas réellement vrai, hein. Il m'a quand même mis un bon coup tout à l'heure qui m'a enlevé plus des trois quarts de ma vie, hein. Je tiens à préciser. Et on dirait que les forces ennemies viennent de se réveiller réellement. Allez, 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 massacrez-les, hommes d'Hyrule, jusqu'au dernier. Non, massacrez les hommes d'Hyrule, excusez-moi. Si, arrête, je t'en prie. Ah oui, s'il te plaît, je n'ai plus de gorge, moi j'arrive plus à commenter, là, c'est horrible. Éliminez Sia une bonne fois pour toutes. D'accord, donc le combat final approche, sauf que, maintenant que tous les ennemis n'ont plus réellement de force, ce que j'aimerais, c'est récupérer un petit peu de vie, au moins pour arriver à Sia tranquillement, et me faire les deux derniers forts de la map, à savoir celui-ci et celui en haut à gauche, c'est-à-dire à l'ouest. Voilà, là il saute et je te tape. Olé. Éliminé. Yes, éliminé. Bonjour, je viens faire le ménage et récupérer un petit peu de vie si possible. Voilà, ça fait plaisir. Eh, qu'est-ce qu'on est bien quand il n'y a pas Volga. Moi je vous le dis, on se sent renaître, hein. Voilà. Ok, cette base là c'est fait. Ensuite, l'autre. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas trouvé le quart de cœur. Alors, peut-être que je peux pas en trouver avec Link, ce qui serait la réponse la plus logique, étant donné que les deux niveaux d'avance étaient aussi le cas. Ou alors, aller cacher quelque part dans un coffre, en dehors d'un fort. Et là, ça va être plus compliqué. Toi, par contre, les Arpunky, depuis que t'as plus du tout de force, t'es presque chiant, en fait, hein. T'arrêtes pas de fuir. Voilà, fais ton attaque. Et moi, je te bourrine. Olé. Voilà. Dernier coup. Ouf. Esquive. Ok, ça c'est fait. Ensuite, bonjour, videur express, à votre service. Non, attendez, je charge, voilà, réunissez-vous s'il vous plaît. On va dire ici. Voilà, bonjour monsieur le boss, un plaisir de vous revoir. Ok, voilà, maintenant, tous les forts sont à moi. Du coup, je vais me débarrasser de cette âme, qui, je le répète, je déteste. Voilà, fais ton rayon de la mort. Qui n'était pas du tout un rayon de la mort en passant. Voilà, t'es mort ou pas? Non, t'es pas mort. Nya 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 nya. Olé. Voilà. Ok, par contre, attendez, j'ai vu marquer chute du sanctuaire imminent, ce qui veut dire que Zelda est dans le pétrin. Je vais aller vérifier quand même, hein. J'aime pas trop quand... Ouh là là, il y a beaucoup trop de messages d'alerte depuis tout à l'heure, ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout même. En plus, Faye et Lana, ils font rien, comme d'hab. Pourquoi c'est toujours moi qui dois me coltiner tout le sale boulot? C'est un truc de psychopatate. Bonjour. Il n'y a pas de problème, d'accord. L'âme de glace a fait fuir le capitaine d'Hyrule. Très bien. En fait, il y a beaucoup de capitaines qui sont apparus. Et ça, c'est pas génial. Toi, tu vas mourir. Non. Meurs. Voilà. Une âme de glace en moins. Ensuite, je vais aller de ce côté-là. Et après, promis, je monte en direction de Sia. Bonjour. Olé. Allez, dites-moi que j'en ai eu au moins un. Oh yes, j'ai eu le boss. Ok, et Daruru est sauvé. Même s'il avait encore masse de vie, hein. Oh, en fait, Daruru, c'est pas celui qui me fait le plus peur, parce qu'à mon avis, ça doit être le plus résistant de l'équipe. Enfin, je crois, hein. C'est pas parce qu'il est gros, ça veut dire qu'il est spécialement résistant, mais... Dans la logique même de la chose, il a l'air plus costaud. Allez. Allez, non. Voilà, fais un rayon de feu. Là, tu craques, moi je te défonce. Ensuite, il y a le Punky. Punky qui m'énerve d'ailleurs. Olé, là, attaque finale. Et choucroute. Voilà. Eh ben, dis donc. Et je veux ça. Ok, je fais le plein. Cette fois-ci, on part en direction de Sia. Sia, Sia, Sia. J'espère juste qu'elle a pas bouché les routes. Normalement non, vu qu'elle nous a dit des mini-Sia.
Ok, bonjour le chef du poste. Vous vous sentez pas seul un petit peu dans votre coin là, sans que personne de mon unité vienne vous attaquer? Non, bah de toute façon il a pas eu le temps de me répondre. Ensuite, faut que j'aille de ce côté. De toute façon les deux côtés mènent au même. Ou alors, non c'est plus court de ce côté j'ai l'impression. Ouais. J'ai mal aux yeux. J'ai très mal aux yeux. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous ne m'intéressez pas, tout ce que je veux c'est Sia, qui j'espère n'est pas en train de s'arracher les cheveux en haut. Bonjour, t'es calme? Oh, il a pas l'air plus énervé que ça. Vous pensez pouvoir me vaincre? Disparaissez, disparaissez. Alors par contre, est-ce que... Sa vie descend vachement vite quand même. Hein. C'est assez bizarre d'ailleurs. Je la sens ouf. Par contre, elle fait super mal. Et ça va me jouer des tours. Ouais, on est mal barré. Bon, c'est maintenant qu'il faut l'enchaîner. Non, t'es où? Viens ici, Sia. Au pied, Sia. S'il te plaît. Ne fais pas la femme qui ne veut pas respecter les ordres, s'il te plaît. Et ça n'a rien de macho, hein, je précise. Olé! Voilà. Sia, où es-tu? Viens voir. Elle me fait peur, hein, elle me fait vraiment peur. Est-ce qu'il y a un vase de sécurité? Il y a un vase de sécurité. Ok. Juste au cas où, hein, parce qu'elle fait super mal. Ok. J'arrête un petit peu ses attaques, voir s'il n'y a pas un moment... Purée, je crois que j'aurais dû laisser faire, en fait. Voilà, refais ce que t'as fait, même si c'est pas du tout le même sort. Et ça, c'est fait quoi? Oula! Eh, il est badass son sort! Il est super badass même! Par contre, comment dire, la zone d'action elle était vraiment petite, hein, avec tous les lignes qui l'entouraient. Voilà, refais-le. Cette fois je vais attendre le bon moment et je vais lui foncer dessus. Et. Olé! Olé! Yes! Bim! Ah voilà! Déjà la moitié de sa vie. Elle est super simple en fait à vaincre, hein. Dis donc! C'est... Ouais, ça cache quelque chose, hein. C'est pas possible, ça peut pas être le boss de fin, ça. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que là, maintenant, ça peut être un boss de fin. Et du coup, c'est pas cool pour la suite. Ouf, dur. Bim. Voilà, et je crois que j'ai éliminé tous ces clones. Ou presque. Non, il y en a partout. Ouais, génial. Ouh là là, d'accord. Ils ont tous une masse de vie, mais juste gargantuesque. Ça va pas être évident, ça. Sia, tu meurs. Oh oh, non. S'il te plaît. Oh la vache. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Non, Mayday, Mayday. Ouf, toute ma vie est revenue. Ok. Non, non. Oh là là, lâche-le. S'il te plaît, lâche-la. Ok. J'ai peur. Elle fait trop de dégâts. Bonjour. Oh oh. Qu'est-ce que quoi? Quoi? J'aime pas trop quand elle s'élève dans les airs, surtout que je vois que dalle et j'ose pas loquer des ennemis. Oh la vache. Elle est ardue quand même comme boss, hein. Attendez, faut que je trouve le bon moment là. Ok, ça va être là le bon moment. Olé! Non, j'ai attaqué trop tôt, je crois. Ah, quoique. Non, on est pas mal, hein. Olé! Ok, et de une en moins. Déjà. Et il en reste 3. Ok, tout va bien. Il faut juste rester calme, c'est pas un boss compliqué, sa vie descend vachement bien. Il faut rester cool. Par contre, elle fait quoi, troisième? Bonjour, qu'est-ce que t'étais en train de faire avec la moquette? J'ai... D'accord, ils sont en train d'activer des sorts partout, des sorts dimensionnels qui servent à je sais pas trop quoi, mais qui me font assez peur en fait. Ok, je regarde un petit peu ce qu'elle fait, hein, parce que c'est pas... Ok, ça c'est badass. Bim! Voilà! Bien fait! Ok. Celle-là, elle est presque capoute. Enfin, elle est presque capoute. Du moins, je lui ai envoyé la moitié de sa vie en l'air, mais... Ok, je vais pouvoir l'assaut. L'assaut ! Trop tôt ! Ah, purée, là, trop tard. Génial. En fait, c'est... Il faut bien calculer son coup, hein, quand elle invoque des links. Parce que c'est vraiment pas évident à lui mettre des dégâts, sinon. Ouf ! Dur. Ok. C'est bon ? Oui, non ? Compliqué, c'est compliqué. Si je sens que c'est trop dur, de toute façon, je me barre et je vais chercher des cœurs, hein, je préviens. Voilà, bim. Non, trop tard. Ah, c'est pas vrai. Maman. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommence. Elle ravanque des links.
bim, 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 bim. Et c'est super court comme time. Comment j'ai fait tout à l'heure? Enfin, tout à l'heure, elle était toute seule. Du coup, j'avais plus de temps. Mais là, c'est super court. Ok. Il en reste plus que deux. Très bien. Ce que je vais faire, c'est je vais aller chercher un vase de vie et j'arrive. Attends-moi ici, hein, je reviens. Je vais juste chercher de quoi m'occuper. Toi, j'en ai pour 2 secondes. Faut juste que je trouve un vase. Ça, déjà, je prends. Voyez-vous un vase rouge? Il n'y a pas de vase rouge ici, hein. Je sais que je vais trouver un vase. Oh, c'est pas vrai. Je sais que je vais trouver un vase. S'ils en ont pas dans la base en face, je vais avoir des problèmes. Hein. Ah, yes, ils en ont un. Ok, c'est cool. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils vendent au moins 5 cœurs. Yes, nickel. C'est exactement ce que je voulais. Au moins avec ça, j'aurai un petit peu de marge. Très bien. Là, c'est faisable. Là, c'est clairement faisable. En plus, ils sont plus que 2. Si j'agis bien, il y a moyen que je m'en débarrasse uniquement avec ça comme vie. Et celle que je vais attaquer en priorité, c'est celle qui m'en donnera l'opportunité. Donc les deux en même temps. Oh oh. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle invoque. Non, elles font les mêmes sorts. Oui, donc là ça va faire 8 links. Et non, pas du tout. C'était pas du tout ça. Aïe, 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 aïe. Purée. Merci, voilà, tout ce que je suis allé chercher à me la bousiller en 2 secondes et demie, ça fait plaisir. Tu meurs, saloperie. Oh la vache. En plus, je suis en train de clignoter comme un dératé. Aïe, 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 aïe. Elle me fait trop peur, elle me fait beaucoup trop peur. Je reviens, hein. je me rebarre 2 minutes. Cette fois, je vais rechercher de quoi remplir toute ma barre si possible. C'est ardu. Ok, bon, cette fois-ci, j'espère que ça va le faire. Là, je suis presque mieux préparé qu'avant. Ce qu'il faudrait, c'est que je tombe sur un vase vert. Ah, génial. Génial. Avec ça, je vais pouvoir compléter ma barre et je vais avoir un petit peu de chance pour en éliminer une. Une bonne fois pour toutes. Je prends celle de gauche. Moins de vie. Non. Le pire, c'est que je dis celle de gauche et il me bloque celle de droite. Hein, il le fait bien exprès. Tu meurs. S'il te plaît. Allez. Sa vie, elle tombe bien, hein. Olé. Atcha. Voilà. Bim, 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 bim. Allez, tu meurs. Yes. Ok, là, on est super bien. Il en reste plus qu'une. Et quand elle est toute seule, ça le fait. En espérant qu'elle en invoque pas 4 hein, derrière, parce que sinon, on va être vraiment dans un sale pétrin. Voilà, je prends ça. Allez. J'aime bien parce que je dis allez, sauf qu'il lui reste la moitié de sa barre de vie. Faut que je lui casse sa défense. Bim! Même pas, je te laisse agir. Viens là! Saloperie! Qu'est-ce que tu fais? J'aime pas trop quand elle fait des trucs comme ça. Hein. Bim! Oh oh! Non! Ouf! Ouf! Elle fait des vagues, elle fait des vagues. Elle... Purée, je me suis toute pris en plus, c'est ça le pire. Qu'est-ce qu'elle fait? Viens ici! Non! C'est pas maintenant que tu vas me sortir un truc badass! Voilà! Ouf! On l'a eu! On l'a eu! C'était dur. C'était technique. Lana, c'est toi qui m'as arrêté. Mets tes lunettes, s'il te plaît. C'est pas Lana. Enfin, c'est Link. Sia. C'est marrant, mais en fait, elle a l'air plus âgée. Tu es mon autre moitié. Toi aussi, tu dois avoir en toi ce désir de faire cela. Peux-tu continuer à faire ces sentiments? À toutes les époques, ils ont toujours été unis par un lien très fort, et je ne peux les briser ou m'immiscer entre eux. Tu es incorrigible.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Ça. Rendons à Hyrule son apparence d'origine. Et voilà, Hyrule est restauré. Je vais alors retourner à mes occupations de sorcière. Lana, est-ce que nous nous reverrons? Au revoir. Hein? Bah, reviens! On n'est pas des poteaux? Et voilà, c'était prévisible, Ganon est encore de la partie, ça c'était presque sûr. Par contre, j'avoue que sur la fin, c'était un petit peu mystérieux. Qu'est-ce qui va se passer quoi en tout cas? J'en ai juste aucune idée, je pense qu'on en apprendra plus dans le prochain épisode. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, passez une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, et puis à la prochaine pour la suite de mes aventures sur Hyrule Warriors. Voilà, c'était Sean Kazma, à vous, ciao ciao.